que Money Man Chop Fighting. Vous allez là, vous bavadez, vous passez tout le temps dans les bars, dans les maisons de Njambo, à bavader, à critiquer. Vous avez déjà vu, en dehors du Katika, vous avez déjà vu un joueur de Njambo qui est devenu riche avec la hanne du Njambo. Hein? Vous avez déjà vu un soulard sur la publicité des biens? Jamais. Donc, prenez conscience. Hein? Vous allez là, vous bavadez, mais rassurez-vous, le réveil sera brutal. Voilà, le réveil sera brutal parce que quand les 45-50 ans vont sonner, vous allez confirmer la montre que la force de la jeunesse, c'est pour travailler. La force de la jeunesse, c'est pour construire son avenir. Vous êtes là pendant que les autres investissent, vous dites que non, ce sont les biens de la terre. Oh, vanité de vanité, tout est vanité. C'est quand vous, Dieu va vous accorder longue vie, que vous allez vivre jusqu'à 80, 90, 100 ans dans le ngémé. S'il y a quelque chose qui doit effrayer, c'est l'avenir. S'il y a quelque chose qui va effrayer, c'est le manque de force. Parce qu'à un moment donné, la force va nous quitter. Et si tu n'as pas eu à travailler dans ta vie pour avoir ce qui va servir de bâton pour marcher dans ta vieillesse, tu vas lire. Tu vas lire, tu vas confirmer que même à 70 ans, tu vas appeler tes petits-fils, papa,